Salut à tous, c'est Zoudou25 sur aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors du coup, je suis en compagnie de Tom. Salam, salam. Alors je vais vous présenter le Hummer, Hummer HX Concept, donc celui des hobbies, voilà, que j'ai débloqué hier. Voilà. Alors du coup, on va le customiser. Tac. On va mettre les performances après. On va le customiser niveau esthétique. Alors après, on va le tester et tout. Alors, on peut rien custom à part les jantes et tout. On peut mettre de pièces esthétiques. Dommage. Bah, comme tous les rallye raids. Hein. Si, on a, je crois que tu peux, je sais pas. Ok, bah, je vais regarder ce qu'il y a comme motif. Parce que pour l'instant, c'est pas... Oh, comme ça, il est pas mal. Il passe comme ça. On va regarder. Oh, il est pas mal comme ça. Il est pas mal comme ça en explorer. Ah ouais, j'ai envie de le mettre comme explorer. Oh, sinon en noir aussi il passe. Faut que ça reste un humeur, hein, soit gris ou noir. Hein. Pas que ce soit d'autres, trop d'autres couleurs. Hein. Là, je pense que je vais mettre le truc là. Avec The Explorer. En plus ça va avec le thème. Voilà, The Explorer, voilà. Hop, ensuite, vanité, en roue. On peut mettre ça, ça ira pas avec, on va mettre ça. Fumer des pneus, ça. Ensuite, bah là, du coup, on va mettre The Explorer, trop logique. Vitre teintée. Voilà, klaxon, on s'en fout. Vu que j'ai pas de klaxon personnalisé. Alors, hop, performance. Hop. On va le mettre à 140, hein. Niveau de la batterie faible. Ah bah mince, ma manette est à batterie faible. Voilà. Alors du coup, on va tester sa vitesse de pointe. Et on va le tester dans une course après. Vas-y Tom. T'es prêt? Vas-y. Et il fait un beau bruit hein. J'ai vu tout à l'heure. Voilà, 278, je suis bloqué. On va dire 278. En vitesse de pointe normale. Ouais, 237. Ouais, 237, 238. Et le Peugeot, il a combien lui? Je sais plus. Je sais plus du tout. À ce qui paraît, il y a des rumeurs comme quoi c'est le meilleur rallye raid, donc je sais pas du tout. Mais en tout cas, il a l'air d'avoir la patate. Niveau accélération et tout, il a l'air d'être pas mal. Allez, on va le tester dans une course. À ce qui paraît, durant la course avec les dunes de sable. Parce que ce qui paraît, il a une bonne reprise quand il saute. Tu sais, quand il atterrit, ce qui paraît, il a une bonne reprise, donc faut voir ça. Vas-y si tu veux, mais. Moi, attends. Ce qui paraît en l'air aussi quand tu boostes avec, il est plutôt utile. Bah normal parce qu'il est léger. Il a en tout cas il a l'air d'être léger. Alors désolé en ce moment il n'y a pas trop eu de vidéo pendant une semaine, j'ai pas du tout été actif. Travailler. Ouais j'étais en stage c'est pour ça. J'ai bousé baisser le son du jeu parce que sinon j'entends même pas Tom parler. Sinon. Oh. Non mais quand il y a le son du jeu à fond sur ce coup c'est... T'entends même pas les autres parler, c'est un truc de ouf. Oula, ça m'a donné quoi comme voiture là? T'as vu, j'ai mis le motif, le livret The Explorer avec le néon. Ça va bien avec. Par contre, ça The Crew faudrait qu'il règle ça. Hein. Faudrait qu'il règle... Enfin genre le chargement pour choisir les voitures faudrait qu'il soit plus rapide. Et en plus je suis en banque manuelle, long. Oh là là, catastrophe. Ah bah bravo. Écoute, on va se débrouiller. Je trouve il est stylé comme ça. Il
Dans cette course, dans les affixes, il faut l'hyperventilation dans cette course. Parce que vu qu'il y a beaucoup de sauts, comme ça ton boost il se recharge beaucoup. Ah, j'ai pas les. Moi j'ai pur ultra gonflé, j'ai pas hyperventilation. J'ai dû renverser. C'est... En vrai, c'est horrible la boîte manuelle. Ils ont du sur place ou quoi les bots? Ça va en facile? Non, extrême je crois. Ils ont du sur place les bots. Genre avant de se prendre un dodan ils freinent. C'est les bots hein, écoute, un petit peu rien. Et du coup est-ce qu'il y a une bonne reprise? Pour l'instant ouais ça va. Merde là j'ai une méfaille comme un con mais. Sinon ouais ça va, ça passe hein. Ton record tu l'as fait avec le Peugeot? Je sais pas du tout. Oh, tu vois le record. Là je me suis fait une fois mais ben j'ai perdu ouais 100 km/h. 200 km/h peut-être, je sais pas. J'ai pas trop fait gaffe. Donc Ah non, mon record je sais même pas. Mais c'est que, en tout cas c'est un truc qui est sûr, mon record je l'ai fait sans le méga boost. Parce que je l'ai débloqué il y a pas ultra longtemps. Il y a moins de 2 semaines je l'ai bloqué. Faudrait que tu testes Peugeot sans. Peugeot, méga boost et le meurtre avec le méga boost. Ouais parce que je crois le. Bah les, la deuxième meilleur véhicule en rallye raid, je crois c'est le Peugeot. C'est le Peugeot, après il me semble qu'il y a la Porsche qui est derrière. Quelque chose comme ça je crois. Je sais pas du tout. Bah, le Peugeot en rallye raid il est beaucoup utilisé. Parce qu'il a une bonne accélération. Ouais. En tout cas boîte manuelle, je vous conseille pas de boîte manuelle en rallye raid. Là, vraiment il est bien. Parce qu'il y a quelques semaines il y avait une il y avait un summit où il fallait un Hummer, on a acheté le Evo 1, voilà, Alpha Evo 1. Celui-là il aurait fait. Celui-là il est largement mieux, celui-là il tourne beaucoup mieux, je trouve, que les autres. J'imagine qu'en boîte manuelle. Il a une meilleure accélération et tout. En boîte manuelle, j'ai même pas le temps de finir la course. Oh, alors, en tout cas, je suis avec celui le Hummer du summit là. Voyons voir le classement. Ah j'ai battu mon record ouais. Ouais j'ai battu mon record, ouais j'ai fait 2-8. Ça va. En vrai je trouve il est pas mal. En plus le bruit ça passe. Ça a l'air d'être une bon véhicule, mais j'ai entendu plein de rumeurs genre c'était le meilleur véhicule rallye raid, donc je sais pas du tout si c'est vrai. Bon, en tout cas il est bien classé pour l'instant. Et aussi dans les hobbies, à ce qui paraît, c'est le meilleur véhicule des hobbies. Parce que la Playmood, c'est pas la meilleure street. Le Hummer, à ce qui paraît, il est dans le top 3 des meilleurs rally raid. Et après, l'autre dans The Racer, là, la Mazda, à ce qui paraît, elle est pas folle non plus. Elle est pas folle, hein. Aïe! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, du coup, le Hummer, il est bien classé, ouais. Bon, bah, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Au passage, abonnez-vous aussi à la chaîne de Tom qui sera en écran de fin. Voilà. Mmh. Allez, bye bye. Alors, j'ai oublié de vous montrer, mais voici le réglage pro. Voilà, tac. Voilà, le réglage pro. Voilà. Voici le réglage pro du Hummer que je trouve pas mal. Voilà. Allez, bye bye.